Dans la soirée de ce mardi 26 juin, Loana a publié des clichés qui ont fait sensation sur Instagram. Il faut dire que l'ancienne vedette de Loft Story apparaît transformée et plus amincie que jamais. À sa participation à la première saison de Loft Story, Loana était présentée comme la bimbo du casting. Blonde à forte poitrine, danseuse de surcroît, elle cochait toutes les cases pour ce rôle. Une image à laquelle l'ex de Jean-Édouard Lipa reste attachée, même si elle ne ressemble plus vraiment à la jeune femme qu'elle était à l'époque. Impossible pour elle de renoncer à ses longues extensions de cheveux ou ses décolletés ravageurs. Si est-il d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle n'avait pas du tout aimé son relooking dans l'émission Incroyable Transformation. Jugeant son look trop sage et éloigné de ce pourquoi elle est connue, elle avait accusé Nicolas Waldorf et ses coéquipiers de l'avoir ruinée physiquement. Depuis cette mauvaise expérience, Loana a décidé de prendre les choses en main seule. Elle s'est offert une nouvelle dentition et a perdu beaucoup de poids. En effet, elle s'est délestée de plus de 15 kg ces derniers mois. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par choix. Comme nous l'a tristement expliqué l'ancienne vedette de télé-réalité, si est-ce parce qu'elle n'a plus les moyens de se faire plaisir dans l'assiette. J'ai mangé des pâtes pendant un bon moment et je ne suis venu à perdre 15 kg. Si est-ce à cause de mes problèmes financiers que j'ai perdu autant de poids. Si est-ce mieux que comme j'aimais tout le reste. Ça je peux te le dire, nous a-t-elle confié. Une nouvelle Loana. Bien que les raisons de sa perte de poids soient assez tristes, Loana, elle, se dit heureuse de s'être délestée de ces kilos qu'elle estimait en trop. Si est-il un mal pour un bien, a-t-elle martelé dans nos colonnes. Il faut dire qu'elle est on ne peut plus satisfaite du résultat, à tel point qu'elle s'est soumise à une séance photo afin d'immortaliser sa silhouette. Plus rayonnante et amincie que jamais, elle a fait sensation auprès de ses abonnés. Alors elles sont où les langues de vipère? Ça vous trouve le fion là. Très belle Loana, je n'aille jamais commenter vos posts Loana mais je dois avouer que j'adore vos trois dernières photos, tu es très bien comme ça. Tu es sur la bonne voie, faut continuer comme ça Loana, l'ont-ils inondé de compliments dans les commentaires. Le début d'une nouvelle vie pour celle qui a traversé tant d'épreuves ?